Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on pense de vous? Déjà, est-ce que vous savez ce qu'on pense de vous? Vous avez des retours sur ce qu'on pense de vous? Oh, bien sûr, c'est-à-dire que les gens ici parlent, les gens parlent beaucoup, les gens vous disent toujours pourquoi tu écris, pourquoi tu es opposant, pourquoi tu critiques, ou bien tu critiques trop, ou bien tu fais des films trop complexes, on ne comprend pas toujours. Les gens s'expriment quand même. Ils s'expriment pour te dire ce qu'ils pensent de ton travail, de qui tu es. Bon, les gens, moi profondément, je pense qu'ils ne savent pas qui je suis. Mais ce que les gens disent ne me touche pas beaucoup. Je crois que j'ai été un peu vacciné parce que peut-être le fait d'avoir commencé le cinéma très jeune et de subir des critiques, parce que la critique peut être violente quand on est dans la création. Et moi, très tôt, j'ai intégré l'idée que bon, les gens vont dire ce qu'ils veulent. Moi, je ferai ce que je voudrais. Mais j'écoute. Mais je ne veux pas non plus que ça détermine ce que je suis ou ce que je fais. Beaucoup de gens sont un peu étonnés, ils se disent mais c'est comme si je m'en foutais un peu de ce que les gens pensent de moi. Oui, je m'en fous parce que je sais qu'ils ont une fausse idée. Ils ont une fausse idée parce que on s'accroche à ce qui choque. Oh oui, c'est un cinéaste controversé. La controverse, je ne suis pas celui qui la cherche, je pense que je m'exprime. Et je suis quelqu'un qui essaie d'être profondément libre. Parce que n'oublions pas d'où nous venons, nous sommes un peuple qui n'a jamais été libre. Et quand tu es noir et africain et que tu n'es pas libre par ton propre choix, c'est que tu perpétues l'esclavage, le colonialisme mental. Donc je sens comme une mission d'être libre, parce qu'au nom de tous ceux qui sont morts sans jamais avoir pu être libres. Et autre chose, je pense que les gens ne pensent pas à moi, ils pensent à eux-mêmes. Donc quand quelqu'un me dit « Oh, faut faire attention avec tes opinions », en fait, il pense à lui-même. Je ne crois pas qu'il dort en se souciant de ce qui va m'arriver. Je pense qu'il dort en pensant à lui-même et qu'il y a transfert comme ça. Et donc, parfois, il faut bien écouter ce que les gens disent. Tu crois qu'ils parlent de toi, mais ils parlent d'eux-mêmes. Et je crois aussi que... bon, peut-être parce que ça ne me fait rien qu'on dise ce qu'on dit. J'ai l'air d'être obstiné, je ne change pas, ne manipule pas assez, enfin facilement. Bon, voilà. Donc du coup, évidemment, on te catalogue. Donc on dit bon, voilà, lui il est comme ça. Bon, allez. Bon, mais les gens ne savent pas par exemple ce que je fais actuellement. Ils savent pas vraiment. Quand je suis ici, comment je vis? Quand je suis à Yaoundé, comme ça, dans la ville, le soir, je fais quoi? Je vais où? Ils savent même pas ce que je fais, où je suis, avec qui je suis. Ils savent rien, en fait. Mais bon, moi, par exemple, il y a des choses que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le monde des artistes. J'aime le monde de la nuit. J'aime aller retrouver, découvrir des talents. Je vais souvent dans un coin, Maison Mère, qui est du côté des mini-fermes. C'est des coins où personne ne va. C'est parce que là-bas, il y a une immersion, non seulement avec des talents, et en même temps, tu comprends un peu plus ce que vivent les gens aujourd'hui. Tu sens qui ils sont, parce que ce n'est pas juste de les regarder de loin et repartir. C'est que tu crées des vrais liens avec des gens comme ça. Comme par exemple, je suis en brousse. Rien que le fait d'être en brousse, ça m'a vraiment fait comprendre comment vivent les villageois, quels sont leurs problèmes, leur psychologie. Et c'est des choses qui me touchent. C'est des choses qui me touchent d'être avec des gens, c'est-à-dire des Camerounais, des Africains, des jeunes, des vieux, des gens qui savent des choses, des gens simples, voilà. Moi, j'aime bien être avec des gens simples, parce que je crois que pour moi, c'est une des valeurs essentielles que mes parents m'ont communiqué, malgré leur statut, la simplicité. Et je crois que la vie est plus belle comme ça, que de s'encombrer de gens qui, je sais pas trop, ce qu'ils cherchent dans la vie, qui ne sont pas agréables déjà. Et donc moi, c'est quand même ce qui guide un peu ce que je fais. Donc j'essaye d'être dans un monde de gens vrais, simples. Moi, j'aime beaucoup travailler, vivre avec mes amis comédiens du cinéma, les techniciens du cinéma sont mes amis. Je crois que c'est ce monde-là qui me touche
parce que nous parlons de choses qu'on aime et en toute simplicité, et puis aussi en toute honnêteté, parce qu'il y a beaucoup d'intégrité qui manque. Les gens vont venir avec vous, auprès de vous, parce que vous êtes Jean-Pierre Bocolo, mais ils vont être très vite déçus, parce que je ne serai pas le Jean-Pierre Bocolo dont il rêvait, tu vois. Je serai peut-être quelqu'un qui va les décevoir parce que mes autres amis n'auront pas le statut que eux ils attendaient en étant mon ami. Donc voilà un peu, je crois que c'est important plutôt de... Moi j'aime agir, faire des choses. Je voyage beaucoup dans le Cameroun. J'ai une amie qui est bonne sœur et qui est un orphelinat à Bizar. C'est quelqu'un, on ne passe pas deux jours sans s'appeler où que je sois. Elle est de Bafout, donc je l'ai connue il y a près de 15 ans maintenant. Si on ne se quitte presque pas, hein, et tous ces enfants qu'elle a adoptés et qu'elle, dont elle s'occupe, je les connais tous nom par nom, je les vois grandir. Voilà, moi c'est des choses que je trouve riches, qui m'enrichissent, parce que contrairement à ce qu'on pense, la simplicité des autres et la générosité des autres, finalement c'est ça qui vous construit. Donc ils te donnent, parce que c'est pas parce que tu leur glisses un billet de 1000 francs tu vas croire que c'est toi qui leur as donné, c'est eux qui t'ont donné. Ils t'ont donné une chose qui n'a pas de prix. Ils t'ont donné un peu d'humanité. Ils t'ont donné d'eux-mêmes, parce que c'est les gens qui te donnent ce qu'ils ont. Hein, tu arrives chez eux, la porte ouverte, leur famille est là, tout est là, ils ne cachent rien, ils ne jouent pas avec toi, ils ne sont pas dans l'apparence. Et pour moi, c'est quelque chose vraiment qui me touche. C'est-à-dire je reconnais cette générosité, je reconnais que c'est quelque chose que je reçois, que je ne mérite pas forcément. Et en retour, il faut quand même leur rendre quelque chose, parce que même s'ils ne sont pas conscients de ça. Donc moi, je crois que c'est ça qui m'anime finalement. Ce que les gens qui ont des intérêts, qui sont dans la manipulation, qui cherchent des opportunités, pensent vraiment, je vois, j'en ai rien à foutre. Maintenant, il y a aussi les politiques eux-mêmes. Bon, moi, je ne les fréquente pas. Moi, j'ai une règle, c'est que je ne vais pas voir les ministres. Bon, ouais, j'ai dû peut-être une, deux fois aller parce qu'il y avait si, mais j'ai arrêté. Je ne fais pas ça. Je ne vais pas voir les gens importants. Je les croise parfois dans les bars la nuit. Mais c'est tout. Je ne fais pas ça parce que je crois que tout le monde est important et que ils n'ont pas vraiment le pouvoir qu'ils disent qu'ils ont. Les politiques n'ont pas le pouvoir de changer ce pays, regarde. S'ils avaient le pouvoir de faire de ce pays quelque chose, ils ne seraient pas comme ça. Donc ils n'ont pas de pouvoir, en fait, je crois. Et c'est nous qui nourrissons cette illusion. C'est nous qui, c'est nous qui, finalement, donnons à ces gens qui n'ont rien le semblant de pouvoir qu'ils ont. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut déplacer. Le fait d'être asile dans la brousse avec des gens... et où on fait venir des acteurs connus, des Jean-Greg Belobo, des Valérine Dongo, des Aïna, tous ces gens-là, le grand marabout, tous ces gens-là, je suis désolé, c'est eux qui ont le pouvoir. Et en concentrant tout ça avec ce que nous aimons faire, que nous voulons faire, qui est le cinéma, la télévision, nous sommes de manière implicite comme ça en train de déplacer les lieux de pouvoir, le centre du pouvoir. Et je crois qu'il faut que le pouvoir revienne aux individus, aux gens, et non qu'on le délègue à quelqu'un qui, tout ce qu'il fait, l'exploite à ses fins personnelles et finalement passe son temps. Les Américains utilisent le mot « disempowered », c'est-à-dire à nous enlever le peu de pouvoir que nous avons, ne serait-ce que de prendre notre vie en main. Voilà.